une forme d'agriculture traditionnelle qui se pratique en Cévennes depuis des millénaires, dans lequel on a à la fois la pratique de la transhumance les estimes, en fait toute la pratique de pâturage des terres hautes, que ce soit sur le mont Lozère, sur les cosses calcaires ou même sur les goales, les estives quoi. Les Cévennes est un territoire qui a été reconnu par l'UNESCO depuis très longtemps. Le parc national des Cévennes a été créé en 1970 par l'État. Mais dès les années 85, les Cévennes avaient été un territoire candidat pour intégrer le réseau international des réserves de biosphère, qui est un label aussi délivré par l'UNESCO. Ce qui signifie qu'on a reconnu que ce territoire était un territoire où le rapport homme nature était très important, que c'était un territoire où il y avait des savoir-faire, des savoir-être, des modes de vie qui étaient précieux à l'échelle mondiale. Ce sont des territoires privilégiés pour la recherche, pour le rapprochement entre le monde de la recherche et les gestionnaires, que les gestionnaires de ces espaces ruraux doivent considérer l'homme comme un élément qui compose entièrement le milieu naturel. Et les vallées Cévenoles sont le lieu de transhumance, donc le parcours des drails sur les sommets des crêtes des vallées Cévenoles, c'est un spectacle absolument magnifique. Et puis bien sûr, j'inciterai les gens à aller à la rencontre de ceux qui vivent sur ce territoire. La qualité des paysages qui attire les gens, elle est liée à une pratique humaine et au fait qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent sur ce territoire et qui perpétuent cette pratique.